Les élèves écoutent un document sonore et viennent au tableau inscrire le titre du film dont ils pensent avoir reconnu la musique. En supprimant un cache, le professeur fait apparaître les bonnes réponses placées en arrière-plan. Il s'agit pour l'essentiel d'insérer les sons dans la page du tableau. On va le faire de deux façons. La première partie de la page, constituée de zones de texte, est prête. Les images qui vont permettre d'illustrer l'activité appartiennent à la galerie Mimio Studio. Dans la palette d'outils, on choisit l'outil navigateur de la galerie. Dans la galerie, on lance la recherche d'une image de ukulélé. On fait glisser l'image dans la page. On part à la recherche d'un xylophone pour insérer une seconde image. On ferme la galerie. On va insérer la première musique par un lien vers un fichier et la deuxième par l'insertion d'un son. On sélectionne la première image. Dans la barre des menus, on choisit Insertion puis Hyperlien. Dans la fenêtre Paramètres d'action, on conserve les options par défaut et on clique sur Parcourir. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier westsidestory.wav. On valide le choix et on ferme la fenêtre par un clic sur OK. On sélectionne ensuite l'image du xylophone. On choisit Insertion puis Hyperlien. Dans la fenêtre Paramètres d'action, pour fonction, on sélectionne Lire le son, puis on clique sur Chargement. Dans son espace de travail, on choisit le fichier goldfinger.mp3. On peut obtenir un aperçu sonore du fichier en cliquant sur le haut-parleur. On valide le choix. Un clic sur la première image lance le lecteur multimédia installé sur l'ordinateur. Dans le cas de la seconde image, le fichier son est incorporé à la page. Un clic sur l'image déclenche la musique. On ne peut que mettre en pause et relancer l'exécution du fichier en cliquant sur l'image. Pour éviter que les objets ne bougent quand les élèves viendront écrire leur réponse au tableau, il faut les verrouiller. Dans la barre des menus, on choisit Édition, puis Tout sélectionner. Ensuite, on choisit Format, Groupement, puis Regrouper. Les objets ne constituent alors qu'un objet unique placé sur le même plan. Pour le verrouiller, on choisit Format, Verrouillage, puis Verrouiller. On prend l'outil Texte. On tape la première réponse attendue. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le texte et on change ses attributs, mise en gras et couleur rouge. Ces attributs sont conservés jusqu'à la prochaine modification. On tape la seconde réponse attendue. Avec l'outil Sélection et la touche CTRL ou majuscule enfoncée, on sélectionne les deux zones de texte. Dans la barre des menus, on choisit Format tri, puis Arrière-plan. Les réponses sont placées derrière les objets groupés précédemment. Ensuite, on les verrouille. Le cache est un rectangle qui sera placé entre les éléments de l'exercice et les bonnes réponses. Dans la barre d'outils, on prend l'outil Rectangle. On choisit le noir comme couleur de bordure et le blanc comme couleur de remplissage. On trace le rectangle. C'est le dernier objet dessiné, il est au premier plan et masque la totalité des objets sur la page. Avec l'outil Sélection, on sélectionne le rectangle et dans la barre des menus, on choisit Format tri, puis derrière. Ainsi, le cadre se place derrière les éléments de l'exercice, mais cache les bonnes réponses. On enregistre le fichier dans son espace de travail en lui donnant un nom explicite. Pour révéler le corrigé quand les élèves auront noté leur réponse, il suffira de sélectionner le rectangle et de le supprimer.